C'est étonnant, non? Je voudrais juste revenir sur un petit truc que vous avez dit tout à l'heure. Je voulais pas en parler tout à l'heure parce que nous restions dans le domaine du théâtre. Vous avez fait une réflexion acide, pour le moins, pour les restaurants du cœur. Ces manifestations générales qui mobilisent beaucoup de gens, et du show business, et de la télévision, et du cinéma, enfin, un petit peu partout, ça vous plaît pas, ça? Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on monte son cul. Je veux dire qu'on peut très bien faire le bien autour de soi. Moi, je me mets pas en avant du tout dans ce domaine, justement, parce que je suis contre. Mais j'ai mes pauvres et je les montre pas à tous les passants. Ouais. J'ai vu cette émission sur des restaurants du cœur où il y avait. Oui, mais c'était très joli d'ailleurs. Mais il y avait un producteur de disques qui a ramassé des maquettes, pas à lui d'ailleurs, et qui les a bidouillées, triturées, et qui a mis des applaudissements bidons pour faire un disque. Et puis qui a profité de cette émission sur les affamés pour vendre son disque. Je ne sais pas si c'est humainement très joli. Bon, il y a d'autres gens, il y a des chanteurs qui, dans cette émission qui sont venus, qui n'ont pas la chance de se montrer ailleurs dans d'autres émissions de télévision parce qu'on ne leur demande pas, et qui sont venus donner leur bout de droit d'auteur. Tout ça est un peu pas très joli. Mmh. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est quand même pas... je veux dire, ça part quand même d'un bon fond, même s'il y a des petits cas. Oui. Le fait de mobiliser une population qui sinon serait quand même assez passive, mais ça devrait, le fait de mobiliser les gens par la télévision quand même arriver à faire quelque chose, c'est bien. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est le pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Alors que là, ne donne que ceux qui veulent. Vous savez, si on n'atteignait pas aux libertés, on n'aurait pas d'autoroute, on n'aurait pas de machine à vapeur, on n'aurait même pas de bombe atomique, on serait vraiment dans la merde. Ouais. S'il n'y a pas d'impôts. Surtout en ce qui concerne l'autoroute, remarquez. Oui. Enfin, je sais pas, j'étais pas tout à fait. C'est pour ça que je voulais. Non, mais il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. J'aime pas qu'on soit d'accord avec moi. J'aime bien me sentir tout seul. Ouais. J'ai un goût du paradoxe, j'en rajoute un peu là dans tout ce que je dis. Allez-y, oui. Mais je pense quand même. Je trouve pas joli de montrer son émotion. Ouais, mais là, est-ce que vous avez une solution alors? Dans ce genre de problème-là, pas forcément pour les restaurants du cœur, mais est-ce que quand vous êtes contre un truc comme ça qui vous, visiblement, vous. Mais je pense qu'on devrait civiquement éduquer les gens, et à commencer par les mômes. Ouais, mais est-ce que c'est pas du rêve? Mais ça c'est pas. À quel titre un clown comme moi peut dire, moi je vais donner un cachet, faites comme moi, regardez, pourquoi en quoi je suis habilité à faire ça? Je veux dire, à la limite, moi je préfère ce genre de démarche qu'un leader d'opinion comme peut être un comédien ou un chanteur qui dit, moi je vote comme ça, votez comme ça, je préfère l'autre démarche. Mais c'est pareil, ça me gêne autant ça me gêne moins. Qu'un clown ou qu'un acteur dise, je vote comme ça, faites comme moi. En plus, on se gourre, regardez Yves Montand qui prêchait pour Staline il y a 15 ans ou 20 ans, maintenant ils prêchent contre, ils savent pas très bien ce qu'ils font, ces gens-là sont jamais adultes politiquement. C'est pas notre métier. Je veux dire que c'est pas notre métier. Oui, c'est. Mais oui, mais c'est bien de donner à bouffer à des gens. Encore que ce serait mieux de leur apprendre. Il y a un proverbe chinois, vous savez, qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher aux gens que de leur donner des poissons. Et ça relève encore de l'État. Ouais, mais c'est long. C'est long. Mais là, une opération. Je veux pas vous dire que je suis vraiment contre les restaurants du cœur. Mais j'avais une idée. L'autre jour, c'était d'aller pendant le week-end avec des copains cambrioler les restaurants du cœur pour me faire une réserve de pipois. Mais là, je le ferai pas. Ce serait de mauvais goût. Oui, ça serait carrément. Je vous le confirme. Mais oui. C'est étonnant, non ?